À quoi sert la conférence des régions ultra-périphériques ? Quel est le but d'une telle réunion ? C'est en regardant vers l'argent que l'Europe donne à ces régions qu'il faut chercher. Sur la période 2014-2020, tout programme confondu, 13,3 milliards d'euros ont été accordés à ces régions. Compte tenu de leur position géographique, de la distance qui les sépare du continent, les régions ultra-périphériques bénéficient d'enveloppes spéciales. Alors, le maître mot de la conférence a été de savoir comment négocier les montants des subventions européennes pour la période 2021-2027, et il semblerait que tout le monde soit tombé d'accord. Sur un travail formidable de nos équipes respectives, nous avons pu conclure ce matin sur une déclaration finale à l'unanimité et sans un seul amendement, dois-je le dire, d'où l'union sur notre façon de voir les choses et notre façon de travailler. Et je suis certain que Mayotte continuera dans ce sens-là, puisque c'est Mayotte qui va prendre la présidence. Et nous avons démontré encore ce matin que sur les problèmes essentiels pour nos territoires, nous savons concentrer tous nos efforts dans la direction de ces régions ultra-périphériques.